best life, my best life. En février, je voulais vivre ma best life. Voir le frérot, what's my man. My boy, I love you. How are you, my man? I miss you. I miss you, bro. Let's yeah, go. Yeah, you too. Et là, il y a le daron. Petite coupe. Les amis, aujourd'hui, je vous présente la gamme Kératine Coco de chez Rose B. C'est avec cette gamme-là que je viens d'entretenir mes cheveux juste après chez le coiffeur. Ce qui est bien avec cette gamme-là, c'est qu'elle est hyper nourrissante. Elle va fortifier vos cheveux et l'huile de coco a des vertus vraiment incroyables, anti-pelliculaires et anti-poux. Donc ça, c'est vraiment un truc de fou et vous allez vraiment avoir les cheveux bien fortifiés, bien brillants comme il faut. Là, j'ai appliqué le sérum juste après le masque que j'ai laissé poser 5 minutes et vraiment, c'est incroyable. Regardez, le packaging est vraiment trop beau, franchement, ça je kiffe chez Rose B, c'est le packaging et j'adore parce que mes cheveux ils sentent trop bon, ils sont tout doux, bien disciplinés et surtout avec cette gamme là, bien fortifiée. Vous pouvez également retrouver les gammes réparatrices de chez Rose B dans certaines pharmacies, c'est pour dire à quel point c'est de la qualité. Et le shampoing ainsi que le masque sont de 500 ml, donc vraiment c'est énorme, vous avez à peu près 4 mois d'utilisation, donc franchement vous pouvez y aller. Et je vous donne un code promo pour les personnes qui sont intéressées et qui veulent faire un panier tout de suite sur leur site. Peu importe votre type de cheveux, franchement, il y a une gamme qui va forcément vous correspondre. Je le répète, kératine, huile de ricin, kératine, caviar, kératine, coco, foncez. Vous avez moins 40% sur leur site. Dès maintenant, avec le code promo que je vous mets dans le prochain snap, je vous mets également le lien sur iPad pour atterrir directement sur la boutique en ligne. Bon, alors aujourd'hui, on est sur des... C'est quoi ? Des pains au chocolat. Des pains au chocolat au Kinder Bueno, c'est ça ? Ça sent grave bon, oui. Et regarde dedans, ça a l'air vraiment sympathique. Regarde. Oh, vas-y, je vais. J'étais en train de faire un gros zoom, t'as tout oui, gâché. Bah, c'est pas grave, je vais le goûter. Et je vais être honnête avec les gens qui me suivent. Mais je pense que j'aurais dû mettre des Kinder dedans, pas des Kinder Bueno, parce que j'ai pris une recette de Kinder Bueno, mais c'est nul. Ouais, ça aurait mieux fondu. Ah, ton père, il y a été. Ah oui, il a pas attendu. C'est mieux des Kinder. Mais oui, voilà, on est d'accord. J'ai voulu faire une recette d'une fille sur Insta. C'est quoi ça? Attends. Juste par curiosité. Albert, carrément, il le pèse, le truc. C'est une altère. Eh ben, moi, je suis généreux. Okay. Bon verdict. C'est sympa. Mais c'est pas dingue. Mais c'est normal, j'ai pas mis de Kinder. C'est pas ta faute. Oui. C'est juste le Kinder Bueno. Le problème, c'est qu'il y a très peu de chocolat dedans. C'est plus du biscuit entouré de chocolat. Donc en fait, ça fond pas dans le pain au chocolat. Donc en gros. C'est un flop.